C'est un frère qui est assistant à l'université de Stellenbosch à Cape Town. He studies in the University of Stellenbosch in Cape Town. Il est congolais de Brazzaville. He's from Congo, Brazzaville. Mais depuis longtemps, sa main est sèche. But for a long time, his hand was dry. Il ne pouvait lever cette main. He couldn't lift up his hand. Il ne pouvait saluer par cette main. He couldn't shake somebody's by that hand. He couldn't shake your hand. Parce que la main était sèche. Because his hand was dry. Il a voyagé par-ci par-là. He traveled in many countries. En Europe pour trouver solution concernant cette main. He even went to Europe just to find a solution in regard to his hand that he couldn't stretch out. Mais là où la médecine échoue. But when medicine fails, Dieu n'a jamais échoué. God has never failed. Alors, je verrai ce frère. Then I met that brother. Ce frère s'est approché. He came to me. Je lui ai dit, frère, tu crois que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi? I asked him, do you believe that the Lord God can do something for you? Le frère dira, je crois. The brother said, I do believe, my brother. Je dis, frère, mets-toi genoux. I said, please kneel down, my brother. J'ai touché la main du frère. I touched the hand of the brother. Je priais au nom de Jésus. And I prayed in the name of Jesus. Qui s'est chargé de nos maladies et par se mettre sur nous sommes. By his stripes we have been healed. Je vous assure, mes frères et mes soeurs. I can assure you, my brother, my sister. Une chaleur, forte chaleur est entrée dans les bras de ses frères. There was a strong heat that entered the hand of that brother. Il ne pouvait lever cette main. He couldn't move that hand. Il ne pouvait lever ses bras. He couldn't lift up his arm. Et par la forte chaleur qui est entrée en lui. By truly strong heat that entered that hand. Directement les frères commençaient à louer le Seigneur et il a levé les bras. The brother started praising the Lord and lift up his hand. Instantanément les frères étaient guéris. Right at the spot, the brother was healed. Vous pouvez vérifier cette information à n'importe quel frère, quelle sœur de l'Assemblée des Saints là où dirige le pasteur Tichek. You can ask any brother or sister by the congregation of saints where Pastor Tichek. Et si nous voyons le Seigneur se manifester, ça fait des nages. So if when we see the Lord moving among his people, we are happy. Et le dimanche qui a suivi. And the coming Sunday. L'église était pleine, il n'y avait même pas de place. There was no place to sit. The church was full. Alors, je crois que ce Seigneur est capable aussi de faire quelque chose dans ta vie. So I do believe that the same Jesus is able to do something in your life. Seulement, je t'exhorterai d'être branché. I would just beseech you or exhort you to be connected. Parce que la visitation des hommes de Dieu, c'est la visitation de Dieu. Because the visitation of God's people is a divine visitation. Alors, vous devez comprendre le moment et le temps que le Seigneur vous a visité. So you need to believe and understand the time that God is visiting you. Afin que la bénédiction ne vous échappe pas. Such a way that you may not escape the blessing of God. Sans plus tarder, nous prenons l'Écriture. Without delay, we take our scripture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 18. Genesis, chapter 3, verse 18. Genèse chapitre 3 verset 18, un frère peut nous aider. Genesis chapter 3 verse 18, the brother can read it. En français. On peut lire ça en français. If someone can read it in French. Genèse 3 verset 18. Genesis chapter 3 verse 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il te produira des épines et des ronces. Ça, je suis là. Oui, continue. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ok. Que le Seigneur soit loué. Amen. The name of the Lord be praised. Juste, j'avais besoin de cette écriture. I just needed that portion of the scripture. Tu mangeras de l'herbe des champs. You shall eat the herb of the field. On a donné après la transgression, on donnera à l'homme l'herbe comme nourriture. Nous avons expliqué ça. The grass or the herb will be given to a man for food after the transgression. Et par là, nous allons parler de la chute. Nous allons parler de la chute de la tour. Then, et une tour aussi, une autre tour aussi qui s'est élevée. And we shall speak about the fall of a tower and another tower was raised. Mais avant cela, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 21. But before that, we are in the book of Genesis chapter 21. Dans cette écriture que je viens de donner, the scripture that I just gave,
On nous parle d'une fête. They speak about a feast. Il s'agit de la fête des sévrages. The feast of sévrage. En d'autres termes, Abraham devait organiser une fête de sévrage à son fils Isaac. Okay, Abraham had to organize a feast for his son Isaac. Maintenant, comprenez. Do you understand that? Pour que cette fête soit possible, for that feast to be possible, il y avait deux choses premièrement qui devaient se passer. There were two things that had to happen before. Les deux choses qui devaient se passer, the two things that were supposed to happen, par rapport à cette fête de sévrage, in relation to this feast. Je ne sais pas, parfois aussi pour toi, le Seigneur a un projet pour toi. Maybe the Lord has a plan for you. L'Écriture dit, il a toujours le projet de paix et de bonheur pour son peuple. As the plans of peace. Mais il y avait des critères qui devaient se passer pour que cette fête soit possible. But there were two criteria that had to happen for that feast to be possible. Premièrement, il y avait un fils. First of all, there was a son. En d'autres termes, le fils de la servante qui devait être chassé dans le désert. In other words, there was Ishmael, the son of the servant, who had to be sent to the wilderness. Ismaël devait être chassé dans le désert. Ishmael had to be sent to the wilderness. Pour dire tout simplement, si vous voyez Ismaël chassé dans le désert, if you want Ishmael to be sent in the wilderness, de l'autre côté, c'est Isaac qui est en train de fêter. And the other side, Isaac is actually having a feast. Pour dire tout simplement. Si nous remarquons Israël, Ismaël chassé dans le désert. When we notice Ishmael being sent in the wilderness. En tout cas, nous devons être dans la joie parce que quelque part il y a une autre personne qui est en train de fêter. We need to be happy because somewhere there's someone having a feast. C'était premièrement ça. That was the first thing. Et deuxièmement aussi. The second point. Sa mère aussi devait être chassée toujours dans le désert. Her mother as well has to be sent in the wilderness as well. La mère d'Ismaël aussi devait être chassée dans le désert. Ishmael's mother has to be sent in the wilderness as well. C'était aussi un autre critère de la fête par rapport à Isaac. That was the second criteria in relation to the feast. Mais au juste, qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à cela? So what are we trying to say in relation to that? Nous disons, si nous lisons les Écritures, when we read the scriptures, cette fête d'Isaac en réalité, c'est aussi ta fête. The feast of Isaac in reality is also your feast. Parce que dans le livre de Galates chapitre 4 le verset 28, in the book of Galatians chapter 4 verse 28, l'Écriture dit noir sur blanc, scripture says black and white, vous aussi comme Isaac, you too as Isaac. En d'autres termes, dans cette écriture, in other words, in that scripture, la Bible nous compare à Isaac. The Bible is comparing us to Isaac. Oh, par là nous disons, so we can say that la fête d'Isaac, c'est la fête de l'Église, c'est ta fête. The feast of Isaac is also your feast. Parce que nous aussi on nous compare à Isaac comme nous venons de lire dans le livre de Galates chapitre 4. We are compared to Isaac just like we read in the book of Galatians. Mais pour que cette fête soit possible, but for that feast to be possible, il faut que Ismaël soit chassé dans le désert. Ishmael has to be sent in the wilderness. Mais avant même aussi que Ismaël soit chassé dans le désert, before Ishmael be sent in the wilderness, Isaac devait s'attacher aussi au lait maternel. Isaac had to drink the mother milk. C'est-à-dire en d'autres termes, il y a Isaac qui s'attache au lait maternel. So, there is Isaac still drinking the mother's milk. Ismaël chassé dans le désert. Ishmael was sent in the wilderness. Et la servante aussi qui est chassée dans le désert. And Agar, which is the servant, sent. C'est-à-dire Agar qui est chassé aussi dans le désert. So they are both chased into the wilderness. Nous disons que cette fête là. So we can say about that feast there. C'est la fête de l'Église, c'est ta fête. It's the feast of the church, which is yours as well. Sur le plan prophétique, ça parle aussi de l'enlèvement de l'Église. It's also speaking about the rapture of the church. Qui est la fête des sévrages. Which is the feast of the breastfeeding. Mais pour que cette fête soit possible, comme nous avons dit, but for that feast to be possible the way we say it, il faut premièrement que la personne s'attache au lait maternel. First of all, you need to attach yourself to the breastfeeding milk. En d'autres termes, le lait maternel, in other words, the breastfeeding milk, c'est un pédagogue qui conduit vers la fête. It's a schoolmaster leading you to the feast. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. We are in the book of 1 Peter chapter 2. Le verset 2 à 3. Verse 2 up to 3. Là, l'écriture dit noir sur blanc. The scripture goes on to say, vous de même attachez-vous au lait maternel qui est la parole de Dieu. You need to attach yourself to the word of God, which is still the breastfeeding milk. Selon cette écriture, according to that scripture, le lait maternel devient la vraie parole qui est la parole de Dieu. The mother's milk is the word of God. It's the genuine word of God. Oh, par là, nous comprenons
God. Le secret de l'enlèvement, premièrement, c'est l'attachement à la vraie parole. It's secret for you to be righteous. You need to attach yourself to the word of God. Parce que le livre de 1 Pierre chapitre 2 compare la vraie parole au lait maternel. Because the book of 1 Peter chapter 2 explains the word of God to the breastfeeding milk. En dehors du lait maternel, besides the mother's milk, à côté il y a aussi Ismaël qui doit être chassé dans le désert. Ishmael has been chased in the wilderness. Or Israel, Ismaël qui est chassé dans le désert. Ishmael who's chased in the wilderness. Devient directement un bouc qu'on appelle un bouc Azazel qu'on lâche dans le désert. Become automatically an Azazel goat which is being chased in the wilderness. Vous dites tout simplement. Just to say. Si vous voyez Ismaël lâché dans le désert. When you see Ishmael sent into the wilderness. Le bouc Azazel lâché dans le désert. The Azazel goat, what is going to do in the wilderness? You need to be happy because your time to feast. L'église est dans la joie parce que la fête est possible. The church is happy because the feast is possible. Parce que le bouc Azazel Ismaël est lâché dans le désert. Because the Azazel goat, which is Ishmael, is chased into the wilderness. Vous remarquerez lorsque Israël est entré dans le désert. You will notice when Israel went into the wilderness. Là, je suis dans le livre d'Exode chapitre 15 et Exode chapitre 16. I am in the book of Exodus 15 and 16 chapter. Qu'est-ce qu'on va remarquer dans le désert? Israël va demander de l'eau. The Israelite will ask for the water to drink. C'est-à-dire Israël quand il est entré dans le désert. When they went into the wilderness. On remarquera Israël demander de l'eau. We shall notice that they will ask for the drink. Or la marche d'Israël dans le désert. The walk of the Israelite in the wilderness. C'est aussi la marche de Jésus-Christ. It's also the walk of the Lord Jesus Christ. Raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ est allé en Égypte. That is why when Jesus Christ went into Egypt. En revenant à Israël. By coming back to Israel. Il y a une parole qui va s'accomplir. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. I called my son out of Egypt. Alors que cette écriture a été concernée à Israël. That scripture concerned the canon Israel. Pour dire tout simplement que Jésus-Christ est le véritable Israël. In other words, Jesus Christ is the real Israelite. De la même manière que Dieu a ramené Israël dans le désert. By the same way Jesus God brought the Israelite out of Egypt. Jésus-Christ aussi devait être lâché dans le désert. Jesus Christ as well has to be sent into the wilderness. Mais Jésus a été lâché dans le désert comme le bouc Azazel. Jesus Christ was sent into the wilderness just like an Azazel goat. Raison pour laquelle vous remarquerez. That's the reason why you shall notice. De la même manière qu'Israël a demandé de l'eau dans le désert. The same way the Israelite asked for a drink in the wilderness. Sur la croix, Jésus-Christ aussi demandera de l'eau. Jesus Christ on the cross will ask for a drink. Oh, par là nous comprenons. Then we can understand. Que le désert par rapport à Jésus-Christ c'était la croix. To the wilderness in relation to Jesus Christ was a cross. We also had to see a woman who has been saved.
au ciel. Then we understand that woman is the heavenly woman. Et la femme au ciel, c'est celle qu'on appelle la Jérusalem d'en-haut. The heavenly woman is what we call the heavenly Jerusalem. Par contre, si vous voyez la femme marcher sur la terre, when we see a woman walking on the earth, the weight of the cross is a free for many people. Do not understand the importance of the weight of the cross. The weight of the cross is able to change the circumstances of life. The weight of the cross is able to turn your tears to happiness. To be given the pen. On efface parce que je vais dire aussi quelque chose par. I'm going to say something here. On efface une pen. If you can please. Parce que nous voulons parler de la femme terrestre. I'm actually talking about the earthly woman. Alors, here. Qu'est-ce qu'encore nous voulons dire? What are we trying to say here? Nous sommes quelque part. We are somewhere. C'est dans le livre de Josué chapitre. Ça n'écrit pas bien. Dans le livre de Josué chapitre 18, le verset 9 à 10. Joshua chapter 18, verse 9 up to 10. Josué, parce que je devais dessiner quelque chose ici. I wanted to draw something, but seems like it's not right. Dans le livre de Josué, chapitre 18, le verset 9 à 10. Joshua chapter 18, verse 9 up to 10. Là, on parle de la terre comme un livre. So we are being told that the land represents a book. Par contre, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 14, Revelation chapter 6, verse 14. Ici, on nous parle du ciel comme un livre. We are being told that the sky or the heaven is represented a book. En d'autres termes, nous sommes en présence de la terre et du ciel. In other words, we have the heavens and the earth. La terre, un livre. The earth is a book. Et le ciel aussi, un livre. The heaven as well is a book. Maintenant, nous sommes dans le livre de Genèse. Now we are in the book of Genesis. Chapitre 1, le verset 1 à 2. Chapter 1, verse 1 up to 2. Ici, l'écriture dit noir sur blanc. The scripture says black and white. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. In the beginning, God created the heavens and quand on dit créa, directement, ça fait mention à la création. So when we say created, we can see the creation right here. En d'autres termes, la création a deux portions. In other words, the creation has two portions. Follow me closely here. La création a deux portions. Il s'agit de la portion qu'on appelle le ciel et d'autres portions qu'on appelle la terre. So the creation has two portions, the heavenly one and the earthly one. Et si le ciel c'est un livre. So here the heaven is book. Et si la terre aussi c'est un livre, pour dire que la création c'est un grand livre. So meaning that the creation is a big book. La création c'est un grand livre. The creation is a big, big book. Maintenant cette création qui est un grand livre. Now this creation which is a big book. La portion du ciel et la portion de la terre. The heavenly portion and the earthly portion. Ce livre a été fermé. That book has been closed. Et ce livre a été fermé quand? When was the book? Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. When the Spirit of God was hovering upon the waters. Parce que lorsque l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. When the Spirit of God was hovering upon the waters. Vous remarquerez quand on dit au-dessus des eaux. You shall notice when they say above the waters. Il y a une étendue ici. There is an experience here.
lui-même. So these experiences belong to God himself. C'est ce qu'on appelle les lieux très saints. That's what we call the most holy place. C'était la propriété de Dieu. It belongs to God. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard dans la création. That is why in the creation, Dieu doit commencer que la lumière soit. God has to start by saying, let there be light. Parce que après les lieux très saints, ici il y a un chandelier. After the most holy place, there is a candlestick. C'est pourquoi il a commencé que la lumière soit. That's why he started by saying, let there be light. Voilà pourquoi par rapport aussi au livre, in relation to the book as well, nous commençons, il est mieux aussi que nous puissions voir aussi chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. We also have to see the chapter 4 of the book of Revelation. Parce que dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, so in the chapter 4 of the book of Revelation, vous remarquerez que celui qui avait le livre, you shall notice the one who had the book, il était sur un trône. He was upon a throne. Et après le trône, il y a un chandelier devant lui. After the throne, there is a candlestick. Et après le chandelier, il y a la mer de verre. After the candlestick, there is a candlestick. Il y a un tabernacle qui se dessine. So meaning there was a tabernacle which has three parts. Maintenant, celui qui avait le livre était dans le lieu qu'on appelle le lieu très saint. The one who had the book was in the holiest of the holy. Et après, il y avait le chandelier. Then there was a candlestick. Et après le chandelier, on voit aussi la mer de verre. After the candlestick, there is a glass. En réalité, c'est tout un tabernacle qui se dessine. In reality, we can see a tabernacle. Voilà pourquoi nous disons que par rapport à la création, that is the reason why we see in relation to the creation. Nous remarquons l'esprit, quand l'esprit s'est mouvant ici au-dessus de l'étendue. We see the spirit of God hovering upon this. Cette étendue ici, c'était la propriété privée de Dieu. That experience belonged to God himself. Comme le trône de Dieu lui-même. Like the throne of God himself. Et ici, nous comparons cette étendue comme étant temps où le livre était fermé. And we explained this experience, the time that the book was closed. Si ce livre-là, c'est la création. So that the book is the creation. Alors, ici, le livre était fermé. So here the book was closed. Mais Dieu doit commencer que la lumière soit. And God started by saying, let there be light. Quand il dit que la lumière soit, when he said, let there be light, c'est Apocalypse chapitre 4, le chandelier qui était devant le trône. It's Revelation chapter 4, the candlestick that was before. Parce que cette lumière-là, c'est ça le chandelier qui était devant le trône. That light, that's the candlestick that was before. Mais pourquoi l'importance de la lumière devant? Why the light has to be in front? Si nous allons dans le livre de Luc, si nous allons dans le livre de Luc chapitre 8, if you go in the book of Luke chapter 8, les versets 16 à 17, verse 16 to 17, là nous remarquerons, we shall notice that, que lorsqu'on met le chandelier, when we pull the candlestick, cette lumière a le pouvoir de révéler ce qui est caché. That light has the power to reveal what is hidden. Oh, révéler ce qui est caché, revealing what is hidden, c'est lié aussi à l'ouverture du livre. It's also linked to the opening of the book. L'écriture dit que l'Éternel vient habiter dans les ténèbres. The scripture says the Lord came to dwell in darkness. Et l'Éternel qui aime habiter dans les ténèbres, the Lord who lets dwell in cela darkness, cela veut dire tout simplement l'Éternel c'est un Dieu qui se cache. It does mean that the Lord is a God who hides himself. Mais on met la lumière devant lui, but we pull the light, afin que ce qui était caché soit dévoilé. So that what has been hidden may be revealed. Voilà pourquoi à la création on devait commencer que la lumière soit. That is why in the creation we had to start by saying that the light. Parce que c'était l'état de la fermeture. Because that was the image. Je suis dans le livre de Luc chapitre 15.
Because what she lost was what voilà pourquoi hidden. La création c'était comme caché. That's what the reason why the creation was hidden. Processus all that is a process.
Issachar. To give back what the man. Et par l'œuvre de la croix. Through the work of the cross. Dieu a cette possibilité. God has that capacity. La consomme qui s'est là. To give you back. Oh, non, pour nous, c'est la carte de la bombe. What you lost in your in your oh, body. Oh, in your you mean lost. Ma composition dans mon intérieur. God is in. That you may be happy. Well, smile to come back in your face. God bless. Okay, maintenant je vais toucher sur cette chute là de la tour. Now talk about the fall of the tower. On peut se parler un peu et après on va continuer ça. We speak for a few minutes, then we carry on. Seulement, comme je vous ai dit, just like I told you, c'est question que vous soyez branché. You need to be connected. That's all. Parce que moi je crois que dans la parole il y a une puissance. Because I do believe that there is power in the word of God. Une puissance qui peut te donner la solution. The power that can give you the solution to your problem. Une puissance qui peut te visiter. And the power that can visit you. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? What are we trying to say here? Si vous allez dans le livre de Genèse chapitre 1, go in the book of Genesis chapter 1. Le verset 28, le verset 29 et le verset 30. Verse 20 from verse 28 to 30. Là vous remarquerez quelque chose. You shall notice something. Mais avant que je puisse avancer, il y a quelque chose que je voulais oublier. Before I may go forward, there is something that I wanted to tell you. C'est très important. Very important. Quelque chose que j'ai voulu oublier. I almost forgot something. Il y a les lieux très saints. There is a holy place. Il y a les lieux saints, c'est-à-dire là où il y a les chandeliers. There is a holy place where there is a candlestick and the most holy place. Il y a la mer de verre. And there is a sea of glass. Ici nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 4. Here we are in the book of Revelation chapter 4. Et ici, il y a le trône. And there is a throne right here. Et celui qui a le livre est ici sur le trône dans le lieu très saint. And the one who has the book, who got the book, is actually in the holy place. L'Écriture dit, il y a des tonnerres et des éclairs, mais il y a aussi un arc-en-ciel. The scripture says there's thunders and lightning, but also a rainbow. Les 24 vierges sont ici. The 24 heralds are right here. Ils ont eu cette facilité d'adorer parce qu'il y a l'arc-en-ciel. They could easily worship because there was a rainbow. Parce que si le trône a des tonnerres, des éclairs, s'il n'y a pas l'arc-en-ciel, tu ne vas pas adorer. If there is no rainbow, you won't be able to worship because there's no chance. Passé au temps de Moïse. That's what happened in the time of Moses. Il est monté avec les anciens dans la montagne de Sinaï. He went up with their elders in on the mountain. Et dans cette montagne, il y avait des trônes et des éclairs. There were some thunders and lightnings upon that mountain. Mais ils se sont approchés de cette montagne devant Dieu. But they drew near that mountain. Parce qu'ils ont vu Dieu sous ses pieds comme une pierre de saphir. They saw like a stone of sapphire. Under the feet of God. Cette pierre de saphir, c'est comme le ciel dans sa pureté. God's stone of sapphire is like the heavens, a clean heaven. C'est ça les grappes qu'on enveloppait les instruments. That's like a curtain that we cut. Pour que les fils de Kehath ne soient pas frappés. For the sound of Kehath not to be struck. C'est l'image de l'arc-en-ciel. That's the image of the rainbow. Et ici, ils se sont en train d'adorer parce qu'il y a l'arc-en-ciel. They are worshiping here because there is a rainbow. On dit, qui est digne d'ouvrir les livres ici dans les lieux très saints? In the most holy place. On verra un agneau qui était dans le trône. We saw a lamb who was on the throne. Mais je vous informe que l'agneau dans le trône c'est la position de l'éternité. But the lamb on the throne, that's the position of the throne. Parce qu'en réalité l'agneau devait venir ici d'en bas. Because in reality, il devait ici dans les parvis. The lamb had to go to the outer court. Il devait venir commencer sa marche ici et venir ouvrir les livres ici. Right by the courtyard or the outer court. Pourquoi? Parce que cet agneau ici, the most holy place. Il était l'image du souverain sacrificateur. The lamb mais qui doit traverser et entrer dans les lieux très saints. Who has the cross and go up to the most holy place? Maintenant, en entrant dans les lieux très saints, going inside the most holy place. Il ne devait pas entrer seulement comme ça. He couldn't just enter the most holy place. Parce que quand le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, when the high priest entered the most holy place, il entrait avec le sang des animaux. He was going in with the blood of the animals. Mais ici, l'agneau qui a le sang, but here, the lamb with the blood, il n'entrait pas avec le sang des animaux. He goes in with his own blood. Pour ouvrir les chemins qui étaient fermés. In order to open the way that was closed. Ce qui est curieux,
effrayable. In other words, even the 24 elders. Ils attendaient l'agneau qui devait traverser le ciel. They were waiting for the lamb who had to cross the heaven. Et qui devait faire l'œuvre de l'intercession. And who had to do the work of the temple. Comme les souverains sacrificateurs qui devaient entrer dans son propre sang. Le Seigneur donne à Adam la semence et les fruits comme nourriture. The Lord gave as a food to Adam the seeds and the fruits. Dans cette écriture que nous venons de lire. The scripture that we just read. Nzambe Adam wasalaki moto apesa ki semence na fruit lokola nourriture. When he created a man, he gave them the seed and the fruit as a food. Et à côté, il donnera aux animaux l'herbe comme nourriture. But to the animals, he gave the earth or the grass as a food. Par contre, dans les livres de Genèse chapitre 3, but in the book of Genesis chapter 3, le verset 18, verse 18, après la transgression, after the fall of man, God gave the man the herb. He gave the herb or the grass. Avant la transgression, before the fall, he gave a man the fruits. Après the semences, also the seeds. Ensuite, matiti, après the herbs were given to the animals. Mais après la transgression, after the fall of man, when the man sinned, God also gave the grass or the herb to the man, the same thing, the same way he did to the par là, nous comprenons, that we can understand by par le péché, through sins, l'homme est devenu comme animal. A man became like an animal. C'est ce qu'on appelle homme, animal. That's why we call an animal man. Homme, animal, c'est par rapport à quoi? Animal man. Homme animal, c'est par rapport au péché. It's in relation to sin. Parce que ma péché, ma titi, accompagné de quoi la nyama, is now like an animal. La simaratam ou moto, ça la qui l'issue. When the man sinned. Maintenant, regardons. Now notice. Avant que moto, ça la l'issue. Before the fall of man, l'homme était comme une tour. The man was like a tower. Adam était comme une tour. Adam was like a tower. Dans l'écriture, in the scripture, là nous sommes dans les livres. Esaïe chapitre 2, le verset 12 à 15. We are in the book of Isaiah chapter 2, verse 12 to 15. La tour, c'est un homme qui est élevé. The tower is a man who has been exalted. Mais en réalité, dans les écritures, l'homme élevé, c'est le roi. But the exalted man represents the king in the scriptures. Raison pour laquelle? That's the reason why. Saul qui était caché dans les bagages. King Saul who was hidden in between the legs. La tour va diviser à l'égard qui va tourner sur la muraille. The prophet said, "That is, this is your king." C'était un homme élevé. He was an exalted man. Raison pour laquelle il défend Jésus-Christ. Before Jesus Christ, le prophète a nommé Jean-Baptiste. John the Baptist said, "Qu'il croisse et que je diminue." The enemy creed that I may decree. Quand le prophète
C'était un animal. Was an animal. Parce qu'il m'a nommé un animal. With the door to the animal. Je te donne la poussière pour le dire. Give you the dust as a food. A nommé un lion. The door to the serpent. La seule poussière. I've given dust. Et comme il est une lion. Dust has become your food. Mais quand nous regardons les serpents physiques comme ça. When we look at the physical serpent. N'a jamais yes. mangé la poussière. The snakes doesn't eat dust. Pour dire tout simplement quoi. For so what are we trying to say? Our language, Akolia. So eating here. Taking us in the book of Numbers chapter 14 verse 29. Where the Israelites were going through the cities. Winter was finished.
now is the time of singing. Ferme la musique. Yeah, we the time is over. Il y a une promesse. There is a promise. Il va être aussi là. But the winter will be. Même la carte n'a pas bougé dans vos. Even in your life. So que ça va capabiliquer Miguel. If there's some few promises. Il y a une promesse. There is a promise. Il va être aussi là. That winter will finish in the name of Jesus Christ. Maintenant, ma suite n'y a pas encore pu dominer mon tour. Now the animal said, "Ruler of a man." Et le cas maintenant est mêlé. Many years after. Parce que la dame te connaît le livre Genèse chapitre 9. Because when we reach the book of Genesis chapter 9. C'est là où toutes choses vont prendre fin. That is when everything will come to an end. Lorsque le Seigneur a fait. When the Lord did. Il va ébranler le ciel. He will shake the heavens. Donc, il sur le brûlement du ciel. He spoke about how the heaven will be shaken. La pluie qui était tombée du temps de Noé, c'était le brûlement du ciel. The rain that fell in the time of Noah, that was the heaven being shaken. Et l'objectif de cet ébranlement. And the purpose of the shaking the heavens. Changer l'identité de la terre. Was changing the identity of the earth. Because the earth was under a curse. Mais la dame où Noah the time Noah was born. La livre Genèse chapitre 5. Genesis chapter 5. Tata le mien terre. His father said. Cette enfance de la consolation. This child of mine is in comfort. Hier a consolé mis sur la mêlée où il a quand la magi mabé. He will come for us from the land that's been cursed. Par là nous comprenons. So we can understand. Que l'état de Noah. The time of Noah. Le Seigneur a qui nous a passé la mêlée mousse. God has been. A changé l'identité à ma belle. Ma sœur, ma soeur, mi soeur, Zamba, Zamba, a changé l'identité à ma belle. My brother, my sister, God is the God who has the ability to change your identity. When people are walking, when people are walking, when people are walking, tonight, God is able to change your identity. Dieu est capable de changer tout. God is able to do that. Et il a ébranlé le ciel. He shook the heavens. Pour échanger, changer l'identité de la terre. To change the identity of the earth. God needs a new earth, a new creation. A new creation.
bileko na bileko na nyako kani na yoye moto moko te oya kokani na yoye masia bileko na bileko na nyako kani na yoye moto moko te Christi quali ri équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes, chacun un homère.